Voilà, et tout de suite, nous allons parler donc de ce programme baptisé L'Envoyé aux Arts. Et oui, un programme très intéressant qui se déroule en ce moment, un programme initié par le département d'État américain en collaboration avec l'Agence nationale de l'artisanat traditionnel, l'ANART, le ministère du Tourisme et ses différentes agences régionales. Puisque donc il y a avec nous aujourd'hui nos invités, nous allons les recevoir, justement Madame Linda Moriarty et l'invité de marque, puisque elle est experte en matière de trading, ce qui veut dire la commercialisation et la promotion de l'artisanat. Et elle est en ce moment avec nous. Bonjour, good morning, bienvenue à Bonjour. vous. Merci d'être là ce matin. Avec nous aussi, Linda McNulan, c'est ça? Macmillan. McMullen, vous êtes attachée culturelle à l'ambassade des États-Unis. Bonjour, Merci. bienvenue à vous. Et Bonjour, bien merci. sûr, avec nous, l'interprète, l'habitué des plateaux de Bonjour d'Algérie, Abderrahmane Boussoufa. Good morning, bienvenue et merci d'être là ce matin. Alors, ce programme initié par le département d'État américain, l'envoyé aux arts, pouvez-vous nous dire de quoi il s'agit, même si on sait que ça concerne l'artisanat, que Madame Linda est avec nous ce matin, a une très grande expérience de 30 ans et de 35 ans même plus, et qu'elle est venue donc faire profiter nos artisans de cette expérience, c'est ça? Tout à fait. Nous avons plusieurs programmes culturels et nous voulons vraiment travailler avec le peuple algérien et le gouvernement algérien pour avoir des échanges qui ont un but spécifique et pratique. Donc, nous avons invité Madame Moriarty de venir ici, de travailler avec le gouvernement algérien et bien sûr les artisans pour mieux faire la promotion de l'artisanat ici en Algérie et à l'extérieur. D'accord. Alors, Madame Linda Moriarty, vous avez une expérience de 35 ans et plus dans ce domaine de l'artisanat, dans la commercialisation, la promotion, le conseil aussi. Et vous animez en ce moment donc des workshops. C'est vrai que ça se déroule à Alger, Tlemcen et Rabdaya? C'est Ouais, ça. d'ailleurs. Très bien. Alors, comment vous avez trouvé toutes ces artisanes algériennes? Vous les avez rencontrées? How did you find the people you met, the craftsmen that you met, the ones that you met during your trip? Oh, well, they were wonderful, but artists usually have a lot of passion and they all are very skilled in what they do. They're very they brought a lot of their traditional crafts with them for us to look at and for us, for me to help them with, ideas on how to promote the marketing of them. J'ai trouvé les artistes magnifiques, ils sont vraiment passionnés, doués dans ce ils étaient en train de faire. Ils ont eu un plaisir immense à nous montrer ce qu'ils étaient en train de faire, sur les travaux sur lesquels ils travaillent. Très bien. Alors, votre domaine à vous, c'est quoi exactement? C'est le conseil, le management, c'est quoi? What's your field? Is that advising, counseling, management? Well, it's arts marketing, promotion, and arts management. And these workshops are very hands-on to help the artists refine their particular art and to give them ideas on how they can further promote it. Donc, ma matière est vraiment le marketing de l'art, la promotion de l'art et à aider les artistes à faire en sorte de commercialiser, de savoir les meilleures méthodes de commercialiser leurs produits. Très bien. Alors, il faut savoir que le premier atelier que vous avez animé s'est passé à Sédéfreud, au village artisanal de la Narthe. C'était mercredi dernier. Et les artisans sont venus, donc je le disais, d'Alger, de Tizi Ouzou, de Tipaza. Ça a concerné, en fait, la céramique, la broderie, la dinanderie, la tapisserie. Donc, vous, finalement, vous pouvez conseiller dans tous ces domaines-là. So the first workshop that you had was Sidi Fred, and you met with craftsmen from different parts of the country, showing you different items. So are you specializing in any of them or all of them? No, I don't specialize in any of them, but through my experience and through working with different artisans from in different parts of the world, some things are universal. And the hands-on workshops are meant to look at them and help them, say, for instance, with
labeling, mm-hmm. with display, with you know, finding out where they're marketing their crafts and if there are other avenues that might be available to them. Mm-hmm. Non, je ne suis pas spécialisé dans l'un d'eux spécifiquement, mais à travers l'expérience que j'ai, mm-hmm. Je sais que l'art et les artistes ont une expression universelle. Et à travers mes ateliers, j'essaie de les aider à savoir comment faire la commercialisation, le marketing de leurs produits. Alors, une question simple, Madame Linda Moriarty. Comment faire pour réussir? Est-ce que vous avez une recette magique? So, this is a very simple question. How reach success? What's the recipe for success? Well, I think the recipe for success is, first of all, being a creative but disciplined artist. Donc la première chose c'est être un bon créateur et très discipliné, mm-hmm. comme artiste. And secondly, always keeping in mind the standards of quality that you would want to be identified with. Mm-hmm. Yeah. Et toujours garder les standards de qualité à travers lesquels on voudrait être reconnu. D'ailleurs, vous insistez beaucoup sur garder le côté tradition, conserver les traditions. Chaque pays doit conserver ses traditions, même si par la suite il va moderniser tout cela. Mais les traditions sont pour vous une chose très importante. Yeah. And you always insist on the traditional aspect of the art, even if some artists could modernize their product, but you always insist on keeping the traditional. Exactly. I mean, someone may do traditional Berber jewelry in the traditional style, but you know, they may want to diversify and you know, take a more Western style, but yet keeping the same Berber designs you know, in the particular artwork. Mm-hmm. Exactement. La tradition est très importante. Un artiste pourrait par exemple faire créer des bijoux berbères. Dans la pure tradition berbère, mais toujours même s'ils veulent introduire un côté occidental à leurs produits, ils gardent toujours le côté traditionnel. Parfait. Alors, comment voyez-vous aujourd'hui le marché de l'artisanat? How do you see today the crafts market? How do you see it today? How do I see it today? I think that Algeria has a very strong arts culture, mm-hmm. but the important thing is for the artists to work with business, with government, with tourists and hotels, so that they can all communicate with each other and coordinate in coming up with a really good plan for promoting Algerian arts and in the future, cultural tourism. Okay. Je pense que l'Algérie a une culture artistique très forte et il est important pour que les artistes travaillent et leur propre commerce et qu'ils travaillent avec le gouvernement, le tourisme, dans le cadre du tourisme et ainsi que les hôtels afin de créer un plan très spécifique pour la promotion de leur art. Mm-hmm. Alors finalement, à ces femmes-là, qu'est-ce que vous leur avez vraiment appris? Est-ce qu'elles sont venues vous poser des questions spécifiques? Est-ce qu'une voulait savoir quelque chose? Qu'est-ce que vous leur avez vraiment appris? So, with the women you met, what did you really teach them? Did they have like specific questions? What was your the kind of support you gave them? There were men too. I said there were also men. Il y avait aussi des hommes. Oui, je ne sais pas pourquoi je pense aux femmes. C'est vrai qu'il y avait aussi des hommes. Oui, j'ai oublié ça. Tout à l'heure, je dis les femmes, mais c'est vrai que les hommes aussi ont participé, des artisans, tout à fait. Well, I think one of the things that came out from the workshops is that a lot of the artists didn't sign their work. Mm-hmm. And, you know, I felt it was really important that they signed it. And one woman who was a... Oh, I'm going too fast. Une des choses importantes que j'ai vues à travers les ateliers, c'est que
plusieurs de ces artistes ne signaient pas leurs travaux, mm-hmm. et chose qui est très importante. Mm-hmm. Oh, one woman who was a potter from Clemson, I said, why don't you sign your pottery? And she said, oh, well, I don't know. And I said, one day your grandchild will pick up a pot and look under it, I mean, see a beautiful pot and look under it and say, this was my grandmother. She was a famous potter. Mm-hmm. J'ai rencontré une dame qui travaillait dans la poterie et je lui ai demandé pourquoi elle ne signait pas ses travaux. Mm-hmm. Et elle m'avait répondu qu'elle ne le savait pas. Et je lui ai dit qu'un jour, son petit-fils viendrait, trouverait un de ses travaux et virait la signature de sa grand-mère. Tout et serait fière de ça. Parfait. Alors, je vais vous garder avec nous parce que dans un tout petit moment, ça sera l'heure du flash d'information, la météo. Vous allez rester encore avec nous pour revenir peut-être à la fin sur l'exposition qui se prépare au niveau de l'ambassade des États-Unis et qui va rassembler donc les travaux de tous ces artisans qui ont donc bénéficié de cette formation. On en parlera tout à l'heure. Restez avec nous.